Ok, Mathéo. Alors, clitorine. Mathéo, je comprends tout à fait ta colère. Tu en as mis partout, mais tu ne m'as pas touché. Maman n'est pas contente. Alors, comment on va régler le problème? Tu as à l'intérieur de toi un monstre qui grandit. Non, on ne lance pas les couteaux sur les gens. Notre fils, c'est Satan. Je te ferai remarquer que ce n'est pas du tout poli. On a dit non, non, non. De toute façon, c'est ta mère qui fait le ménage. Ça ne me dérange pas. Hop, voilà. Je la comprends, ta colère. Moi, quand j'étais au Vietnam, j'avais aussi plein de colère en moi. Est-ce que tu crois que maman voulait vraiment épouser ton père? Alors là, non. Hein, maman n'a pas choisi. Hein. Alors, maintenant, tu vas le bouffer. Au début, on s'est dit bah, 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 bah. Après, on s'est fait non. Non. Comment alors? Comment tu vas finir? Domine ta colère. Domine ta colère. Maman te bout du rouleau. Faut pas faire des enfants. Qu'est-ce qu'on a raté? Alors je te demande gentiment, s'il te plaît, pour la dernière fois de manger. Et d'ailleurs, c'est peut-être même une porte d'entrée vers une expression artistique nouvelle que j'encourage également. Hein. Mais... Bon, c'est gentil ou c'est pas gentil? C'est pas gentil, non. Tu vas maintenant finir ton plat et on va passer une bonne après-midi ensemble. Ou sinon, voilà, papa va se suicider. Mathéo, je te